À cette période de l'année, je reçois souvent la même question, à savoir quelle machine choisir, quelle machine acheter pour faire de la 3D. On est dans une période grosso modo de rentrée étudiante, donc je reçois beaucoup cette question-là, mais c'est aussi le cas quand il y a des soldes, les Black Friday, à Noël, etc. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et vous donner les clés, les quelques éléments, il n'y a pas grand-chose à surveiller pour essayer de ne pas acheter la mauvaise machine, pas être déçu par son achat et de finalement pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Votre 3D, donc c'est parti. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet et d'emblée je vais mettre la moitié d'entre vous à dos puisque je vais vous déconseiller fortement d'utiliser un Mac. Alors si vous êtes féru de Mac, vous avez déjà un Mac, pas de panique, vous pouvez très bien vous servir de SketchUp, ça marchera exactement pareil que sur Windows. De même pour Vray, il n'y a aucune différence d'interface, de performance, de capacité, c'est la même chose. Par contre, de plus en plus, on entend parler de logiciels tels que Enscape, tels que Twinmotion, tels que D5Render et d'autres, qui sont des logiciels qui font des rendus beaucoup plus rapidement avec d'autres techniques, qui n'utilisent pas la même chose dans le PC, donc utilisent la carte graphique. Et là, le Mac pêche beaucoup puisqu'il n'est juste pas capable de faire tourner ces logiciels-là. Enscape et Twinmotion fonctionnent sur Mac, mais sont nettement en dessous en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Et D5Render, par exemple, pour parler que lui, n'est juste pas compatible avec les Mac. Si vous voulez en plus utiliser des logiciels plus techniques, plus pro, comme les logiciels d'Autodesk, par exemple, je pense à 3ds Max et d'autres, bah là, il n'y a pas de version Mac, tout simplement. Et pour plein d'autres logiciels, je ne vais pas les citer, il y a vraiment une flopée en 3D, hein, c'est vraiment 3D, c'est pas forcément vrai dans d'autres métiers comme le montage vidéo, comme la photo, comme le son, etc., où le Mac est très très bien, ce sont de bonnes machines. Et pour la 3D, vraiment, je vous préconise Windows si vous êtes un peu ouvert à l'environnement PC. Voilà, ceci dit, maintenant je vais vous aider et je vais vous montrer 5 points clés pour vous aider à choisir ce PC sans acheter la mauvaise machine et donc pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le premier élément qui n'est pas le plus important à surveiller mais qui est quand même essentiel, c'est le processeur. Alors le processeur, vous allez me dire si c'est essentiel. Oui, c'est essentiel, mais on va voir qu'il va de pair avec d'autres éléments qu'il y a après dans la liste et en général, bon, il est plutôt cohérent avec le deuxième, notamment que je vais citer tout à l'heure. Donc, il faut juste apprendre à lire un petit peu le processeur, à quoi ça correspond. En gros, vous avez deux fabricants principaux. Vous avez AMD d'un côté et Intel de l'autre. Et donc, les dénominations ne sont pas les mêmes. Je vous les mets à l'écran. Chez AMD, vous avez le premier chiffre qui montre la gamme et le deuxième qui montre le niveau de modèle dans la gamme. Donc, évidemment, plus vous montez, plus un processeur cher, mais aussi un processeur rapide. Et la clé en termes de 3D et de calcul de rendu 3D, c'est plus il y a de cœur dans votre processeur, plus c'est rapide et performant. Donc, en général, plus on monte en gamme et AMD est connu pour avoir beaucoup de cœur dans leur processeur. Alors chez Intel, c'est différent, vous avez plusieurs chiffres. Vous avez par exemple un i7-13500. Donc là, il y a plusieurs chiffres. Donc il y a i5, i7, i9, c'est l'espèce de gamme en fait. Sachant qu'un i7 est très bien. Un i5, malgré le fait que ce soit la gamme en dessous, il peut y avoir quelques i5 qui sont très bien, donc c'est un peu compliqué. Le i9 est un peu cher, évidemment. Le deuxième chiffre, le 12-13, ça, c'est la génération. Donc, c'est à quelle génération on est. Actuellement, on est à la génération 13. Et le troisième nombre, qui est 500, 800, 450, etc. Ça, c'est le niveau de gamme dans la génération. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, si vous avez un i7-13-500 et i7-13-550, bah, le 550 est ce que au-dessus dans la gamme. Est plus rapide, plus qualitatif. Dans les fiches produits, normalement, vous avez le nombre de cœurs aussi. Vous pouvez vérifier. Mais pas de panique parce que c'est un petit peu compliqué les processeurs. En général, ils vont de pair avec le deuxième point à surveiller qui est la carte graphique. Là, la carte graphique, c'est assez simple. Il y a pareil deux constructeurs, c'est encore AMD et cette fois Nvidia. Mais je vous conseille vivement Nvidia parce que tous les logiciels 3D sont optimisés aujourd'hui pour fonctionner avec leur technologie qui s'appelle le RTX. Et donc, vous avez des cartes graphiques Nvidia qui s'appellent RTX quelque chose. Donc, vous prenez toujours une carte graphique qui commence par RTX. Ensuite, la dénomination, c'est toujours pareil. Vous avez un premier nombre qui est 20, 30 ou 40. Actuellement, on est dans la gamme 40, la toute dernière. Et ensuite, vous avez un autre nombre qui est 50, 60, 70, 80. Alors, vous choisissez RTX 30 ou 40. Et puis ensuite, le plus important, c'est surtout le deuxième chiffre. Je vous déconseille les 50 parce que ce sont les entrées de gamme et vous risqueriez d'être malgré tout déçu. Mais partez sur le minimum 60, c'est-à-dire une RTX 4060 par exemple. Et si vous pouvez acheter des cartes graphiques de 70-80 qui vont être beaucoup plus chères, c'est un élément très cher la carte graphique, ben ne vous en privez pas,
Ça vous aidera pour les logiciels qui sont en temps réel, tels que Enscape, Twinmotion et autres. Je disais tout à l'heure que ça allait de pair avec le processeur, donc le premier point. En général, les constructeurs de PC portables font en sorte que la carte graphique aille de pair avec le processeur. Donc si vous avez une carte graphique correcte, vous avez normalement un processeur correct, mais checkez quand même les différences de processeur entre les modèles pour une carte graphique équivalente. Le troisième point, c'est la mémoire dite RAM. Et donc là, vous avez 8Go, 16Go ou 32Go. 32, c'est vraiment super, mais ça reste toujours un petit peu cher sur les modèles un peu haut de gamme. Choisissez minimum 16Go, ça va très très bien fonctionner, et rien ne vous empêchera par la suite sur certains modèles, mais assurez-vous que ce soit possible, d'ajouter des barres de mémoire si jamais vous avez besoin de le faire évoluer. Ça, c'est une chose qu'on peut facilement augmenter, et ça permet une fluidité quand on a plusieurs logiciels ouverts, quand on a plusieurs choses, travaux en même temps, ça permet, plus on a de RAM, de travailler avec fluidité. Ensuite, vous avez la capacité du disque dur. En gros, le disque dur, c'est l'armoire où je vais ranger les logiciels, les projets, les documents, etc. Donc, plus vous avez de stockage, mieux c'est. Je vous préconise 1 Tera. Malgré tout, ça peut rester un peu cher. Le prix de la mémoire fluctue beaucoup. Donc, parfois, on a des disques durs pas chers et parfois un peu chers. Donc, minimum 512 Go. Et rien ne vous empêche de mettre un deuxième disque dur sur certains modèles. Donc, de l'ajouter. Et pour avoir, par exemple, un disque dur de 512, et puis quand il est plein, vous en mettez un autre de 1 Tera ou un disque dur externe pour stocker vos documents. Rien n'empêche non plus de travailler comme ça. Les disques durs aujourd'hui sont des SSD MV quelque chose. Ça veut dire que c'est des disques durs qui travaillent très très rapidement. En général, bon, c'est toujours ceux-là qui sont mis au moins en disque dur numéro 1. Pour les disques durs numéro 2, on trouve parfois des disques durs qui ne sont pas de cette espèce, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus longs, mais pour les documents, c'est parfois un peu moins grave, juste pour stocker. Et enfin, il y a un point qui me paraît essentiel aussi, c'est la résolution de l'écran. Je ne parle pas de sa taille. La taille sur un PC portable, ça va aller de 13 pouces à 17 pouces. Le truc qu'on voit tout le temps, c'est du 15 pouces en général. Donc, c'est des écrans relativement petits. Et malgré tout, les constructeurs nous proposent des dalles, des écrans petits, mais avec plein de pixels, avec une grosse, grosse résolution. Donc, on a des écrans 14-15 pouces, 4K. Ce qui est, à mon sens, complètement inutile. Et même, c'est contre-productif. Puisque vous avez un processeur, une carte graphique, de la RAM, etc., qui travaille pour afficher quelque chose sur l'écran. C'est ça le but. Et là, on demande à ces éléments-là d'afficher quelque chose sur un écran qui a énormément de pixels. Alors que si vous avez un écran qui fait un Full HD classique ou un 2K, et ben vous avez beaucoup moins de pixels à gérer. Ça reste à l'œil, il n'y a aucune différence. À ce niveau de taille d'écran, il n'y a aucune différence. Et le PC est capable, du coup, de travailler beaucoup plus fort pour les rendus, etc. et pour les vraies tâches qu'on lui demande. Donc, je vous préconise de ne pas dépasser le 2K. Voilà, donc j'essaie d'être concis, un peu schématique, j'espère que ce que je dis est clair, ça va vous aider à cerner un petit peu les modèles dont vous pourriez avoir besoin. Il y a évidemment d'autres facteurs à prendre en compte. Le design, est-ce qu'on veut un truc gamer qui clignote de partout? Parce que les PC que je décris là, c'est souvent des PC de gamer et assez voyants. Donc je vais vous montrer, enfin je vous parlais de une ou deux marques qui font des modèles un peu pro et un peu plus discrets, qu'on va dire. Il y a aussi la façon, les matériaux qui composent l'ordinateur, soit c'est tout plastique, soit c'est un petit peu métallique et on se retrouve avec un châssis qui est plus froid, qui est plus qualitatif, qui dissipe mieux la chaleur, donc ça c'est toujours mieux. Le bruit, ça en général c'est la bonne ou la mauvaise surprise. Un PC portable, quand ça travaille, ça souffle, quoi qu'il en soit, et il y en a qui font vraiment des bruits très très gênants. Donc il y a certaines marques qui sont réputées pour être un peu plus silencieuses que d'autres. Là, il faut lire les tests, il n'y a pas d'autre choix. Si vous êtes vraiment obnubilé par ce sujet du bruit, ce qui est mon cas, donc j'essaie de trouver des modèles qui ne font pas trop de bruit, mais ça reste malgré tout assez bruyant. Le clavier, est-il rétroéclairé ou pas? Ça peut être confortable quand on a un travail à faire en soirée avec peu de lumière, d'avoir les touches. On trouve tout de suite, c'est beaucoup plus confortable pour les yeux. Et puis autre chose sur le clavier, qui moi me tient beaucoup à cœur, après c'est pas le cas de tout le monde, j'aime bien avoir le pavé numérique, la partie avec les chiffres, mais sur le clavier, c'est-à-dire à droite du clavier. Et de plus en plus, sur les portables, pour gagner un peu de place et faire un truc plus joli, mais les claviers sont privés de cette partie-là et on retrouve les chiffres soit en haut du clavier, soit avec une fonction, on doit presser un écran, on doit presser un bouton en même temps qu'être appuyé sur certaines touches pour faire apparaître ces chiffres-là. Donc le pavé numérique, ça peut aussi être un critère. Voilà, il y en a beaucoup d'autres des critères, je ne vais pas tous les faire, mais je pense que j'ai vraiment disséqué les 5 principaux points. Et pour les marques que moi je vous préconise, alors, je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'il y a certains modèles de ces HP, notamment les Omen, qui sont assez discrets, assez performants en général, avec un bon rapport qualité-prix. Vous avez certains modèles de MSI dans les hauts de gamme, qui sont pareil, très bons, par contre le prix monte un petit peu là. Et moi, je travaille actuellement sur un modèle Lenovo, que je vous montre là à l'écran. Le plus simple, c'est d'aller directement sur leur site,
même si parfois il y a des promos sur des sites marchands, en général ils vendent sur leur site, il y a toujours des bonnes affaires. Il faut surveiller un petit peu les caractéristiques et voir les trois éléments, les cinq éléments que je vous ai dit là, et vous trouverez des PC qui sont bien faits et qui sont assez discrets en termes de design, qui ont une bonne autonomie et qui sont assez puissants. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez complète pour vous, que vous trouverez votre bonheur avec tout ça. Si j'ai oublié des choses, des critères dont vous voulez parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit like, et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !